Bonsoir et merci parce que nous répondons présent pour capable couvrir point de presse que PNH a fait dans le calme dans la direction générale après-midi. Nous avons deux points que nous allons aborder. Survol zone sinistrée que le commandant-chef PNH a fait hier dimanche dans le Grand Sud. Et présentation comité suivi sous plan sécuritaire que Simon Sayo est là, nous allons présenter. Dimanche 22 août, commandant-chef PNH, M. Léon Chol, avec directeur central police administrative, IG Modeste Auguste, directrice logistique PNH, qui c'est CP Ghislaine Désiré, et une délégation ambassade américaine, qui fait un survol de Grand Sud PIA, côté Yotal Gali, qui dégâts qui était causé. Survol ça a été fait avec appui hélico ambassade américaine. Zone délégation ça a été survolée, c'est pour être capable de faire une idée exacte des dégâts qui causent dans plusieurs zones qui reculent. Il y a 8 communes et sections communales qui ont été survolées à très basse altitude. Dans le sud, Nip avec Redes. Il y a quelques zones qui ont été retenues attention comme un chef là, tant que l'asile. Maniche, Arniquet, Capéré, Lécaille, Chambellan et la Tibolière. Zone ça y est, ont touché en pile, mais ne pas cité trop par rapport à disposition yo, ou bien zone j'ai reculé par les trois monde qui fréquentaient zone ça y est, tant que la Tibolière, c'est une petite localité. Et dans cette localité, ça, l'État n'est pas présent. C'est l'église avec population qui est arrivée construire tout ça qui est dans la zone. Tant pour l'école, dispensaire, magasin, l'école couture, tout ça, vous avez gagné, tout tombé plat à terre. Et il faut que vous recommencez pour être capable de rebâtir Baptiste. Alors, zone ça, commandant chef là, prêtez attention, soutenue à toute zone ça que nous sommes cité là. Pour ça qui a un rapport avec sécurité, commandant PNH, M. Léon Charles, décide de renforcer la sécurité dans le Grand Sud pays encore plus. Il y a plusieurs unités qui dépêchent sur toute route. En devine, présence policière, non seulement vous aider à sécuriser le convoi et vous apporter assistance à sinistrer. Il va assister acteurs nationaux et internationaux qui viennent supporter la population de ce là. N'a fait songer, dans le dernier point de presse, nous débattons ici, là, dans quelques jours qui sont passés là, parce que maintenant, il y a des dispositions qui dépendent pour quel que soit le monde qui peut aller dans le Nord Sud, ouais, avec la police nationale et Koun, qui est le centre d'opération d'urgence nationale, pour être capable de permettre de rejoindre la sécurité pour qu'on voie. Malheureusement, malgré nous te parler, c'est des monde qui t'est arrivé dans le monde pour continuer. Il n'y a pas de monde qui t'a accompagné parce qu'il n'y a pas de demander, côté nous te dit pour aller demander, monde qui peut accompagner. Malheureusement, ça a arrivé victime sur le plan. Il n'a pas tiré attention à tout le monde. Faire ça, demander nous pour nous faire, pour nous capables de arriver à destination avec convoi, nous pour aller dans le sud là. Dans l'idée de ça, il y a un comité qui est composé de 5 membres. Rive mette sur pied. Et bureau est placé dans la direction générale. La majorité là-dedans, c'est les policiers. Ils ont gagné pour faire coordination, pour être capable de sécuriser tout convoi qui peut aller dans le Grand Sud. Là, ils ont fait coordination pour acheminer dans le Grand Sud là. Sur le plan sécuritaire, tout convoi quitte ça qui a sorti au niveau international. Et ça qui a sorti au niveau national, parce qu'il y a des gens qui sont derrière, qui ont écouté, mais tout. L'équipe SATO, l'idée pour faire coordination pour tous les policiers qui sont victimes dans le sud, là, ensemble avec la famille, pour faire elle arriver à nous. Aide ça, que les gens ont apporté dans le sud, là, sur une forme ou bien une autre, nous demandons pour contacter la police dans 122. N'a fait songer numéro ça, c'était numéro contact
pour tout cas kidnappé yon moun ou bien yon famille ta victime. Numéro ça est toujours pour tout zak kidnappé nous ta constaté. N'a utilisé le tout pour nous capable rentrer en contact avec l'équipe ça. Avec les moun qui placé dans CRO pour prendre information que moun ça va bay équipe là et y a pas cheminer information à l'équipe là. Nous capable dire qui l'est capable faire partie du convoi qui va dans grand sud. N'a fait connaître que numéro 122 ça capable recevoir 14 appels en même temps. C'est que là il est pas occupé sous relais au cas qu'on titan pas je ne comprends pas notre titan mais au cas qu'on titan nous relais encore ou avec un monde qui pour répondre. N'a fait connaître que déjà escorte rivé mener 14 convois dans grand sud. Et chaque convoi ça a eu 11 véhicules pour Pipiti à bord. Tout véhicule ça a eu à destination. PNH a encouragé tout le monde à contacter l'équipe ça pour les capables d'aider à faire suivi pour sécuriser le convoi. Et n'a pas tiré attention à tout le monde. Camion, oublé, transporté, ça oublé. Voyez dans le sud là, assurez-vous que c'est un camion qui est volé là. Pour pas bailler, reste convoi problème. Parce que si vous prenez n'importe quel camion pour remplir avec aide, les rivières en route, les bails problèmes, reste convoi à l'immersion, obligé à prendre pétanque. Pour éviter ça, demandez tout le monde, camion, vous voulez voter convoi, assurez-vous, c'est un camion qui est en bon état. Kouléa a présenté le comité ça qui est chargé pour coordonner sous plan sécuritaire, aide qui est destinée à Grand Sud là, et nous avons rappelé le numéro encore, c'est 122. Et moun sa yo non seulement yo la pour capable faire coordination sous la sécurité et yo la yo même tout pour faire suivi pour toute famille policier et policier qui victime dans grand sud là. Nous gagné inspecteur général Joseph Smith Peyo. C'est lui même qui est responsable équipe là. Nous gagné commissaire divisionnaire Janet Bateau. Nous avons un commissaire divisionnaire Jacques-Joël Borival. Nous avons un commissaire principal Pierre-Louis Canger. Excusez-moi, divisionnaire. Et M. Ista, qui est employé civil dans le PNH. C'est tout ça, nous avons un côté partagé avec nous. Côté, nous avons attiré l'attention de la population, l'équipe ça, qui l'a fait suivre pour nous. Pour ne pas négliger, contacter la police. Dans 122 pour être capable d'aider, joindre, aide pour sécuriser le convoi pour aller dans le sud. Merci à tous. Zone ça yo de toucher en pile mais ne pas citer trop par rapport à disposition yo ou bien zone jeune reculé par que trop monde qui fréquenter zone ça yo tant pour la Tibolière c'est une petite localité et dans petite localité ça l'état pas présent c'est l'église avec population qui dérive construit tout ça qui est dans zone là tant pour l'école dispensaire magasin, l'école couture, tout ça, comme ça, vous avez gagné, tout tombé plat à terre. Et il faut que vous recommencez pour que vous soyez capable de rebâtir Batista. Alors, zone ça, commandant chef là, prêtez attention, soutenez à toute zone ça, vous êtes cité là. Pour ça, qui a un rapport avec sécurité, commandant PNH, M. Léon Charles, décide de renforcer la sécurité dans le grand sud pays encore plus. Il y a plusieurs unités qui dépêchent sur toute route là. En devine, présence policière non seulement devra aider à sécuriser le convoi et apporter assistance à sinistrer. Il va assister acteurs nationaux et internationaux qui viennent supporter la population du sud là. N'a fait songer. Dans le dernier point de presse, nous débattons ici, là, dans quelques jours qui sont passés là, parce que maintenant, c'est des dispositions qui dépendent pour quel que soit le monde qui peut aller dans le sud, ouais, avec la police nationale,
et Koun, qui c'est centre d'opération d'urgence nationale, pour être capable de permettre de joindre la sécurité pour qu'on voie. Malheureusement, malgré nous te parler, c'est des gens qui étaient arrivés dans le plan pour continuer. Il n'y a pas de gens qui étaient accompagnés parce qu'ils n'ont pas demandé, côté nous te dire pour alimenter les gens qui pour accompagner. Malheureusement, ça a été victime sur